Est-ce que je peux montrer Montpellier, s'il te plaît? Alors c'est par là, mais je préfère Marseille. Ouais. Garance? Alors j'ai découvert la marque Tara Jarmont lorsque je me baladais aux Galeries Lafayette à Luxembourg. J'ai vu les accessoires, toutes les couleurs et les vêtements comme ça, et ça a juste fait pétiller mes yeux. Tous les étés j'allais voir la petite robe. C'était surtout la collection Mademoiselle Tara que j'adorais. J'ai flashé sur un manteau il y a une petite dizaine d'années. Et voilà, ben, tous les ans en fait mon dressing se remplit. Tara Jarmont, il y a vraiment des valeurs de marque très très importantes. En premier, pour nous en tous les cas, en construction de collection, la qualité. Et après, Tara, bah, c'est la couleur. La valeur ajoutée, des broches, des pipings, des tresses et des intemporels. Très très important, des intemporels. J'aime bien acheter des pièces un petit peu fortes que je puisse matcher avec des basiques de ma garde-robe. Ok, moi je dirais que c'est ce côté assez libre, avec des matières qui sont nobles et authentiques, mais toujours ce petit côté peps qui bouge, et c'est ce que j'aime. C'est une marque qui est très désirable. En premier, c'est le souci du détail. C'est le bouton, le petit col, la petite couture, le petit liseré. La deuxième chose, c'est les couleurs. Les imprimés, ces couleurs très, très vives. Moi, surtout la coupe aussi. Ouais. J'ai 6300 et que je ne vais pas m'habiller classique. Et que je peux retrouver cet Tara Jarmont, c'est parti que de m'habiller pas classique et que je me sens à l'aise et que je me sens bien. C'est tout pour nous, merci. Bisous Tara.